Libérer la caméra. Pouvoir la jeter dans l'espace humain, dans la vie. Oublier la caméra. Pour cela, il faut d'abord qu'elle soit muette. Coupons-lui la langue. Pouvoir filmer comme on regarde, immédiatement. Enregistrer en même temps les sons, la parole humaine, n'importe où, n'importe quand, en même temps que l'image. Tout cela paraissait un rêve il y a à peine 3 ans. Aujourd'hui, après le travail des pionniers du cinéma direct, d'hommes comme Leacock, Rouche, Brault, Maisels, Lum, Ruspoli, après le travail des équipes canadiennes, une nouvelle dimension s'ouvre pour le cinéaste. Ce film s'est donné pour but de montrer les débuts d'une aventure collective vers la conquête d'un nouvel espace cinématographique. Il faut d'abord filmer avec les oreilles. C'est le son qui commande à l'image. Le bagage du preneur de son pèse 6 kilos. Bientôt, il sera encore plus léger, encore plus maniable. Le caméraman n'a plus de trépied. Il l'a donné au musée archéologique. Il n'a plus que 2 pieds, ceux que lui a fournis la nature. Et pourtant, il lui faut une deuxième tête, greffée sur son épaule, la caméra légère. André Coutan, soutenu par la Maison Éclair, lui a fabriqué ce joujou de génie. Devant vous, une pièce historique, le prototype Coutan Mato, la première caméra légère, silencieuse et synchrone. Avant la prise de vue, il faut rattacher les oreilles aux yeux, l'image au son, la caméra au magnétophone, grâce au fil de synchro. Ce fil qui tient les hommes en laisse a bien des inconvénients et les ingénieurs le supprimeront bientôt. Et pourtant, il a aussi du bon, ce fil. Il a permis à l'équipe de se discipliner, d'acquérir le geste précis, le mouvement d'ensemble.